Est-ce que Laurent Blanc sera encore l'entraîneur de Lyon après la trêve? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Laurent Blanc. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Laurent Blanc est sur un siège éjectable. Son équipe, à l'occurrence ici Lyon, a un point en 4 matchs. Un point en 4 matchs, les amis. C'est la pire mauvaise défense et la pire mauvaise attaque des Ligue 1. C'est catastrophique. Au point où on parle d'un limogeage de Laurent Blanc. Donc, Laurent Blanc serait sur un siège éjectable. Les dirigeants de Lyon cherchent déjà son remplaçant. Est-ce qu'il va survivre à cette déroute face au PSG? Moi, je pense que sur le marché, il n'y a pas vraiment d'entraîneur calibré pour pouvoir remplacer Laurent Blanc. Donc, moi, je le vois être encore entraîneur de Lyon après la trêve. On va le juger après la trêve. S'il continue avec un bilan négatif, là il sera viré. À mon avis, on va laisser le temps à Laurent Blanc jusqu'à peut-être fin octobre. S'il n'y a pas toujours de changement, là les dirigeants seront obligés de le limoger. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Laurent Blanc sera encore entraîneur de Lyon après la trêve? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.